Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes samedi 22 décembre et nous arrivons bientôt à la fin. Ça me déprime. Oui, j'ai l'impression que... Attendez. J'ai l'impression que l'objectif est pas très propre. Ah, on dirait que c'est moins fou. Donc, c'est là que tu t'avoues... Alors, non, on va faire dans l'ordre parce que tout se mélange. C'est là que tu vois que tu t'approches de Noël quand ton fils est en train de faire de la pâte à modeler, chante « Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver !» Voilà, il n'arrête pas depuis ce matin. Bref, donc, on va commencer tout de suite et après je ferai un tout petit peu de blabla. Mais je vais essayer de faire un vlog moins long qu'hier, parce qu'hier avec l'espèce de point lecture, j'espère que ça vous aura plu, parce que là la vidéo n'est pas encore en ligne, parce que cette nuit, enfin mon chéri a mis avant de dormir la vidéo à s'envoyer, mais il a mis le vlog du jour précédent au lieu de mettre le nouveau. Donc je dois tout recommencer ce matin, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent et qui auraient pu m'arriver. Alors, 22, du coup, bah, le vlog n'est pas encore en ligne, mais j'espère que ce petit point lecture, pour ceux qui aiment bien la lecture, vous aura intéressé. Alors, baie de goji, ah oui, c'est baie de goji que je n'avais... Ah, je sais plus si je l'avais goûté celui-là ou pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ok, ensuite, le chantilly. Ça m'a trop manqué depuis vous retrouver comme ça le matin. Mais je referai des petits vlogs de temps en temps. Promis, promis, promis. J'essaierai d'en faire beaucoup plus que l'année d'avant. Voilà, même s'il se passe pas grand chose, ça sera un peu comme des vlogs de Noël, mais sauf que ça sera pas Noël, quoi. Malheureusement. Alors, 22. Ah, c'est une petite tablette de chocolat. Alors, si j'arrive à l'enlever, c'est pas dit. Ah, ça sent l'alcool. Tac, tac. 22, chocoté, chocolat noir à Anastasia, je crois. Au vu du nom, qu'on l'a déjà eu. Mais comme je ne les goûte pas parce que c'est du chocolat au lait, je ne peux pas vous dire. Mais oui, je crois qu'on l'a déjà eu. Ensuite, le petit chocolat pour Arthur. Juste après. Là, il est occupé à faire des crocodiles en pâte à modeler. Il s'est réveillé avec cette lubie de faire de la pâte à modeler. Il adore ça. De faire comme maman. Quand il va aller à l'école au mois de septembre, il va dire oui. Ta maman a fait quoi dans la vie? Elle fait de la pâte à modeler. Voilà. Une petite boule de Noël. Hop. J'espère pour lui qu'on va au moins avoir le Père Noël au 24. Le pauvre, il l'attend tellement. Alors, ensuite, la bougie. Tac. La petite bougie. Le 24 veut vraiment s'ouvrir. Et je me suis pas fait spoiler. Hein. Je pense savoir ce que c'est, mais je me suis pas fait spoiler. J'arrive à ne pas... à garder la case fermée. Alors, c'est pas celui qu'on a eu hier. Attendez. Le macaron, là, je l'ai fait sentir à Arthur hier. Le vert clair, comme ça. Ça me dérange pas, parce qu'elles sont hyper bonnes. Je l'ai pas brûlé encore, mais je suis sûre que c'est celle-là. Ils ont mis deux pareils, deux jours de suite. Attendez. Attendez. Donc ça, je viens d'ouvrir le 22, on est d'accord? Ok, jusque-là on est d'accord. Et regardez ce qu'il y a à côté, dans la case 16. Depuis quand j'ai pas ouvert la case 16? Depuis quand j'ai pas ouvert la case 16? Elle était... Non, mais je pense que c'est Arthur qui a dû re-ranger, c'est pas possible. Il a dû re-ranger la bougie d'hier dans une case. Je l'ai pas vu faire. Ça m'étonne, pourquoi j'aurais pas ouvert la case 16 et comme par hasard, c'est aussi une verte claire. Putain, il va falloir que je re-regarde les vlogs juste au jour 16 pour voir si j'avais ouvert la case. Mais je pense que oui, sinon vous me l'auriez dit en commentaire quand même, je pense. Bref, on ne sait pas, on ne sait pas. Ça me turlupine juste après ce bout de vidéo, je vais aller voir. Alors, le 22, comment se préparent vos préparatifs pour Noël, pour ceux qui fêtent Noël? Est-ce que ça avance? Est-ce que... Hier soir, j'aurais dû, comme je vous l'ai dit, continuer et finir l'aide pour le Papa Noël. Vous voyez ce que je veux dire pour package Christmas gift. On se comprend, hein, n'est-ce pas? flemme. Flemme parce que j'ai fini de faire ce que j'avais à faire, à ranger et tout. Il était minuit 30 et j'ai dit non, je vais pas tout sortir, tout le bordel. Juste pour une demi-heure avant de dormir. Donc ça sera ce soir. Alors, d'une d'épices, on l'avait déjà eu aussi, le nom dit quelque chose. J'espère que c'est pas trop épicé.
d'une d'épices. Alors, et d'une d'épices, si on regarde les ingrédients, thé vert, écorce d'orange, arôme, pain d'épices, orange amère, pétale de fleurs. Oh, un peu trop d'orange pour moi. Par contre, je vois que... Enfin, je viens de me rappeler que j'ai pas goûté le pécan paille, que je suis sûre que j'adore, parce que le nom, comme je vous ai dit hier, me dit quelque chose, et je suis sûre que c'est un thé que j'avais adoré. Donc je le boirai peut-être tout à l'heure, mais cet après-midi, enfin aujourd'hui, on paraît trop à la maison. Donc on verra. On verra quand est-ce que j'aurai le temps de le déguster. Peut-être ce soir, en vous disant un petit au revoir. Je verrai. Le 22. Du pop. On est déjà au pop? Oui. Que je fasse pas de bêtises. Alors, plus que 3. Hein. J'essaye de centrer. Hop. C'est un bonhomme assez petit. Quoique, oui, si assez petit, cheveux frisés. Oh, Bellatrix, elle est petite, oui, elle est petite, mais c'est vraiment petit, genre les jambes sont très courtes, j'ai l'impression, cheveux frisés, donc, allez, on dit Bellatrix, pas du tout, c'est Hermione, encore, on l'avait déjà eu, une... oui, on avait eu Hermione dans Le Prisonnier d'Azkaban, avec sa tenue, son petit gilet rose, là, et son pantalon bleu. Et là, du coup, on a Hermione avec sa tenue, sa cape et ses livres dans les mains. Oui, et elle est très très belle. Très très belle, mais vu qu'il ne reste plus beaucoup de personnages, j'aurais préféré du coup un perso. Moi, ça ne dérange pas d'avoir plusieurs versions. J'ai plusieurs versions du pop de... J'ai deux versions de Ron, moi, en grande pop. J'ai deux Luna, deux Ginny, deux Harry... donc voilà, ça me dérange pas d'avoir plusieurs versions avec plusieurs poses et plusieurs trucs, mais dans un truc où il n'y a que 24 figurines, oui, j'aurais préféré du coup avoir un personnage qu'on n'a pas encore eu, forcément, même si ça n'empêche pas qu'elle est très très jolie avec ses petits livres, elle est vraiment très belle. Voilà, je suis contente, mais effectivement j'aurais plus vu, il reste que deux personnages, et j'espère au moins Bellatrix Voldemort, c'est sûr. Parce que oui, j'ai bien regardé, on ne l'a pas eu. Hein. Bellatrix, à mon avis, on ne l'aura pas. Je le sens pas. Bon, on verra. Ensuite, le petit cadeau de Laura. Donc, je pioche sur le dessus. Il y en aura un le 25. Hein, parce que 22, 23, 24... Oui, il y en aura un pour le 25. Plus ceux qu'elle m'avait offert. Je crois qu'il y en a deux pour Arthur et un pour mon chéri qui sont sous le sapin. Arthur, on lui a dit que le Papa Noël était passé en avance chez Laura. Et que du coup, on les met sous le sapin en attendant Noël. Pareil pour les cadeaux de Marion. On lui a dit que, voilà, comme le Père Noël était passé en avance chez Tata Marion, elle nous les a envoyés, on les a mis sous le sapin. Mais on les ouvre que le matin de Noël avec les cadeaux de nous quand il va les déposer dans la nuit. Voilà, et du coup il se pose, enfin, pour lui c'est tout à fait normal, et c'est tout à fait normal. Alors, oh, c'est adorable. Alors, deux petites paires de chaussettes, oh regardez, c'est des soquettes. On dirait Sparky. Je vais vous filmer, je vais les montrer à Arthur et je vais vous filmer pour que vous écoutiez ce qu'il va dire. Je vous parie à 100%, quasiment, allez, 99% qu'il va dire Sparky et pas Merlin, parce que bah, il a la tête de Sparky. Et pas la tête de Merlin. Merlin fait un petit peu plus vieux et un peu plus vieux quoi. Regarde mon cœur. Maman, elle doit te montrer ça et tu vas me dire ce que tu vois. Ça, c'est les cadeaux qu'elle a eu aujourd'hui. T'as failli tomber. Par sa copine Laura. C'est des chaussettes. Regarde. Il y a celle-là et il y a. Sparky. C'est qui? Sparky. C'est Sparky? Oui, il est là tout seul. Il est là tout seul? Oui. Bah oui, regarde. Oh, il est beau? Bon, c'est Merlin, on dirait quand même. Oui, Sparky. Non, c'est Sparky. C'est pas Merlin? Oui. Je vous l'avais dit qu'il dirait que c'est Sparky. Le chat, il lui ressemble trop. Et la deuxième paire, oh, c'est Mr. Jack. Regardez. Oh, j'adore. Elles sont trop belles. Je suis trop contente. En plus, des petites soquettes, c'est ce que j'adore. Merci, Laura. Trop contente. Ensuite, bah, il reste que les soquettes. Ouh là là, ça va trop vite. Alors, je vous ai pas fait la photo des soquettes, elles sont encore là d'ailleurs. Gryffindor, mais je vais essayer aujourd'hui, mais comme ça va être un peu la course, peut-être en début d'après-midi j'aurai le temps. Parce que bah, à chaque fois ça me prend au moins, sans déconner, 3 quarts d'heure pour faire une photo. Mais je le veux bien, je veux dire, c'est quelque chose que j'adore, mais il faut que je prévoie 3 quarts d'heure parce que voilà, je m'étale par terre, je mets un fond, plein de trucs et tout. Enfin, je change 30 000 fois de disposition les objets, voilà, et après je prends la photo.
Mais ça me plaît. Mais du coup, il faut que je prévoie un petit peu de temps devant moi. Et comme on bouge pas mal aujourd'hui, je suis pas sûre. Donc, on avait ouvert la 8. On va ouvrir la 9. Master has given Dobby a socks. Le maître a donné une chaussette à Dobby. Alors. Donc, peut-être des chaussettes Dobby. Ces cases sont trop dures, c'est affolant, je le dis tous les jours, mais ah, c'est des grandes chaussettes. Moi, je préfère les petites, mais bon, c'est pas grave. Alors. Oh, oh non, je craque. Oh, elles ont l'air sublimes, regardez. Elles ont l'air sublimes. Alors, je repose le calendrier et on découvre ça ensemble. Vous êtes prêts? Attendez, comment je peux faire pour... Oh mon dieu, obligé, je fais une photo. Elles sont trop belles. Voilà, le maître a donné une chaussette à Dobby. Tac. Oh, les détails, non mais regardez. Vraiment. Elles sont hyper belles ces chaussettes. Oh non mais j'adore. Je suis archi fan, archi fan. Voilà. Je suis mais... Je suis trop fan. Elles sont sublimes. Et comme le dessin est bien sur le devant du pied et tout, bah du coup pour la photo, on va bien voir le dessin, ça peut faire une photo assez sympathique. Et comme j'ai le pop Dobby et que j'ai le pop Dobby, c'est tout, du coup ouais ça peut être sympa. Elles sont sublimes, vraiment le détail hein, du personnage, je les trouve magnifiques. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je les trouve très très belles ces chaussettes. Voilà, on a fini. Donc programme de la journée, bah on bouge un peu, on a des courses à faire. S'il y a de la place, parce que c'est un coiffeur sans rendez-vous, donc s'il y a de la place... Bye bye la touffe, je vais vous montrer, on va faire un petit avant au cas où qu'il y a un après tout à l'heure, c'est pas dit hein. C'est vraiment s'il y a de la place et comme on est samedi avant les fêtes, oui je m'y prends dans le tard. Voilà, on fait un avant. Donc j'aime bien mes cheveux hein. c'est pas le souci, c'est que j'ai envie de changement tout simplement. Et avant je voulais me laisser, donc j'étais dans l'optique il y a pas si longtemps hein, de me laisser les cheveux très 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 longs, mais au final je les laisse jamais détacher parce qu'en fait ça me gonfle, ça, c'est tout le temps dans mes yeux pour travailler, je me les laisse jamais détacher parce que je suis tout le temps penchée sur mon bureau, c'est pas possible. Les pinces, ça me saoule vite. Avoir les oreilles trop couvertes, et puis mes cheveux, faut dire qu'ils sont... c'est une crinière, quoi. Je veux dire, voilà. Et ça me tient chaud, et c'est lourd, et... non, mais regardez, l'excès, quoi. Je les aime bien, j'adore avoir les cheveux longs, j'adore les cheveux longs, mais j'ai envie un petit peu de couper. Voilà, donc je vous en dis pas plus, on verra. Mais ça, c'est pour que vous puissiez voir l'avant. Touf. Et puis, on verra l'après. Mais je les aime bien, mes cheveux. C'est pas le problème. C'est juste que, voilà, je les attache tout le temps. Et je me dis, pff, à quoi bon, du coup, autant avoir des cheveux un peu plus courts, mais les laisser plus souvent détachés, pouvoir les lisser plus souvent. Parce que j'adore avoir les cheveux lisses. Mais avec la touffe que j'ai, je le fais jamais. Parce que ça prend 30 000 ans. Et du coup, je le fais, on va dire, une à deux fois par an. Sans mentir, hein. À Noël et anniversaire, un truc comme ça, ou Noël et une autre occasion. Vraiment quand il y a une occasion, et du coup là, j'aimerais les avoir un peu plus courts pour hop, les lisser, et que ça fasse vraiment une coupe en fait, et pas juste un amas de cheveux et une touffe. J'aimerais vraiment un peu une coupe et plus court pour que ça soit plus simple à entretenir, et voilà. Peut-être que plus vieillis, plus j'ai pas envie de me prendre la tête avec mes cheveux, mais ça n'empêche que je préfère toujours les cheveux longs, en tout cas moi sur moi et tout, mais j'ai envie un petit peu de changement, et je me dis mes cheveux poussent hyper vite en plus, donc au pire dans un an ils auront bien repoussé, mais je veux pas couper court hein, mais je veux quand même qu'il y ait pas mal de changements, donc on verra ça, je vous montrerai tout à l'heure si j'ai réussi à avoir une petite place. Faut savoir que je déteste aller chez le coiffeur. Je n'aime pas, je peux pas vous expliquer pourquoi. En plus avec mon piercing dans la nuque, je leur dis tout le temps, du coup dès que j'arrive je préfère leur dire, je leur dis voilà, j'ai un petit piercing dans la nuque, si vous pouvez juste faire attention avec le peigne et tout. Mais après c'est pas facile aussi pour les coiffeuses hein, mais du coup je suis tout le temps, ah je sais pas, j'ai le stress parce qu'avec le peigne il n'est pas super prêt. Alors je peux le toucher, il me fait pas mal mon piercing hein, ça fait 4-5 ans que je l'ai, je sais plus combien de temps ça fait, je l'oublie tellement que il est derrière, je le touche. Quoi si j'ai un tic quand même, je le touche quand même, mais j'oublie. Quand je le touche, je pense même pas que je touche mon piercing. Bref. Du coup, et puis j'ai un grain de beauté, un gros grain de beauté qui est pas problématique, mais je veux dire qui est là, et à chaque fois j'ai peur aussi, donc je leur dis que j'ai un grain de beauté dans la nuque également.
Bref, du coup, voilà, j'aime pas. Et puis, je suis pas sociable. Donc, du coup, moi, j'aime pas qu'on me parle au coiffeur et tout. Enfin, bref, je suis chiante, hein, mais c'est pour ça que j'y vais jamais. Et puis, à chaque fois, quand j'y vais, j'ai jamais ce que je veux vraiment. À part quand j'y suis allée là cet été, où j'avais un petit peu raccourci pour couper les pointes dégueulasses. J'étais hyper contente du résultat. Donc, voilà. Là, je vais emmener un espèce de modèle. Je connais pas du tout la personne. J'ai fait Google Images. Mais c'est un peu une coupe comme je veux, un peu carré long. Donc, pour que ce soit plus facile à entretenir, et voilà. Bref, on s'en fout, je vous montrerai ça. Ça se trouve, je vais pas avoir du tout de place, et du coup, tout ce blabla aura servi absolument à rien, mais c'est pas grave. Donc, je vous laisse. Ah oui, puis on va voir mes grands-parents. Parce que ça fait longtemps qu'on les a pas vus. On attendait que tout le monde soit à peu près tous soignés pour pas refiler des microbes à mes grands-parents, notamment à mon grand-père qui a déjà une santé un peu beaucoup fragile. Donc, du coup, on attendait vraiment de plus avoir de microbes. Donc, on va les voir cet après-midi, et on retournera les voir pour donner les cadeaux du Papa Noël, entre Noël et le jour de l'an. Donc voilà, ça va être cool, ça va être un bon moment. Et puis, c'est tout. Voilà, je vous laisse. Je vous retrouverai tout à l'heure, sûrement peut-être après le coiffeur, si jamais j'ai réussi à y aller. Et je vous dis à tout à l'heure. Recoucou. Alors, vous ne me voyez pas, c'est normal. J'ai bien eu le rendez-vous coiffeur. Est-ce que vous êtes prêts à voir le résultat? Attention, vous allez être choqués. J'ai tout rasé. Non, je rigole. Oui, j'ai fait un carré. Oui. Donc voilà ce que ça donne. Donc il y a une espèce de petite mèche là, vraiment très légère. Et voilà, donc là elle les a lissées. Et c'est un carré assez droit. Bon là, le rendez-vous s'est déjà fait il y a 3, 4, 5, 7, il y a 3 heures à peu près. Donc ils ont un petit peu vécu depuis 3 heures. Mais voilà, je voulais quelque chose qui change vraiment, pas y aller pour rien parce que comme j'y vais jamais, voilà. Et je voulais quelque chose qui soit plus simple à laver, plus simple à coiffer, à lisser si j'ai envie de les lisser, parce qu'avec la touffe, je les lissais qu'une fois par an, quoi, avec la touffe que j'avais. Et du coup, je suis bien contente, même si je suis toujours team cheveux longs, mais je trouve que ça me va bien en fait, j'aime bien. Maintenant que j'ai plus le visage aussi gros que quand je faisais plus de 100 kilos. Je trouve qu'en fait les cheveux plus courts ça choque pas. Donc voilà. Bref, j'aime bien. Donc je sais qu'il y a des personnes qui vont dire que c'était mieux avant, mais comme je les avais toujours attachés, en fait il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Et là je pourrais avoir les cheveux plus souvent détachés. Donc voilà. Je suis contente, ça change et voilà, je suis contente. Bref. Sinon, donc on revient de chez mes grands-parents, c'était super bien. On y retourne la semaine prochaine pour leur emmener les petits cadeaux du Papa Noël. Et puis voilà. Et puis ma grand-mère nous a donné plein de petites décos de Noël qu'elle a retrouvées et du coup on va installer quelques petits trucs dans la maison. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous retrouverai sûrement qu'après manger maintenant. Et puis je vous dis à tout à l'heure. J'ai repéré la case. Elle est ici. Un petit chocolat. Tu les aimes bien ceux-là en plus. C'est bon. Et le patrouille. Tiens, manque. Alors, c'est pas trop bien. C'est celui-là. Non, ça c'est trop bien. Quoi? Tutti. Rocky. Oui, c'est bien. Rocky. Rocky. C'est bien. Montre maman. Rocky. Rocky. Et Rocky nettoie la ville. Bah ouais. La mienne, ton chocolat. La grande vallée. Non, c'est... Si, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Non, la grande vallée, c'est petit pied, mais je crois que c'est un truc vallée. Bon appétit. Tu les auras tes rébus. Je suis triste. Ouais. C'est quoi? Un doré. C'est quoi doré? Ah c'est blanc, non? Mais oui, blanc. Oui. Blanc comme mon cul, non? Du chocolat blanc. Ah, d'accord. Voilà. T'as vu un peu comme t'as l'esprit tordu? Non mais blanc. Tout le temps. Tout le temps. Guenièvre à la blanche fesse. Donc toi, il est même plus blanc ton cul, il est transparent. Comme beaucoup de gens. Oula. Mais il y a un anneau à enlever? Bah non, il y a rien. Il n'y a pas d'anneau à enlever. Hein.
Ah, faut juste les séparer en fait les deux. D'accord. Voilà. Et puis bah, hein, comme vous l'avez sûrement compris. Tadam. Merde. Voilà. Il n'y a plus de gratte-gratte, plus de sous, plus de gratte-gratte quand même. Regardez avec une petite pince. Donc il y a la petite mèche. Et il en a marre. Mais j'adore. Regardez. Je trouve que ça me rajeunit. Non ? J'adore la petite mèche qu'elle a coupée. Et puis même avec une petite pince, genre ça fait trop bien. Oh, j'adore. Ouais, ça donne un coup de frais, je trouve. Voilà, il faut que je m'habitue. Tout à l'heure, je me suis fait peur. Enfin, pas peur. Je me suis surpris. Je le regarde parce qu'il va dire, oui, c'est normal, vu ta gueule. Mais je me suis regardée dans le miroir qu'on a là et ouais, je fais, ah ouais. Ah ouais, j'ai les cheveux coupés. Oui, c'est la même tête que d'habitude. Bah non, j'ai les cheveux coupés, ça fait pas la même tête, quand même. Voilà. Ouais, mais t'es trop grand aussi pour qu'on se cadre tous les deux. Recule. Ah non, c'est bon. Je pense que si je vais là-bas, je serai à peu près à la même hauteur. Allez, attention. Voilà, là, voilà, je suis à la bonne hauteur. Pourtant, t'es pas si grand que ça. Non, c'est toi qui es toute petite. Je suis pas si petite que ça non plus, faut pas abuser. 1m59, c'est pas si petit que ça, c'est petit. Oh, d'accord, mais voilà. Bref. Alors, je poste pas de photos sur les réseaux pour l'instant. Ça me démange, hein. J'ai envie de vous montrer sur les réseaux. Et pour l'instant, c'est que pour vous dans les vlogs. Parce que j'aimerais faire la surprise lundi soir à ma famille à moi. Et mardi à ma belle famille. Donc aussi ma famille à moi, mais vous avez compris. Et du coup, j'ai envie qu'ils voient en premier en vrai. Ouais, c'est nice, je sais. Mais du coup, je posterai une photo mardi. Comme ça, je vous souhaiterai joyeux Noël en même temps. Sur Instagram et Facebook. Voilà. Et, ah ouais, je vais vous montrer. Monsieur s'est acheté... C'est le truc qu'il était en train de s'acheter sur Amazon. Vous vous en fichez, mais... Il s'est acheté ça. Et cette partie-là. Pour jouer... à des trucs de vaisseau. Et des trucs d'avion. Il a honte. Non. Il a honte parce qu'il va avoir 31 ans début janvier et qu'il joue à des jeux. Mais il n'y a pas d'âge. Hein. C'est pas grave. Il a mis sur sa wishlist du Papa Noël le jeu Pokémon. C'est ça ? C'est Pokémon ? Truc, je sais pas quoi là. C'est du Shiny. Voilà, sur Switch. Et voilà, mais bon, vous savez, on est des gros gamins, nous. Hein. Moi, j'ai mis dans mes wishlists que des livres et des trucs Harry Potter. Et lui, bah, pas grand chose, mais entre autres jeux, des trucs comme ça. On est des grands enfants. Et on assume pleinement. Hein, c'est vrai ? Oui. Le mec pas saoulé déjà. Pas saoulé. Bref, bah, sur ce, on se quitte ici. Parce que ce soir, ah oui, avant de jouer, package Christmas gift. J'allais dire un truc mais tu vas m'engueuler. Oui bah tu dis pas, voilà. Donc. Ah bah trop tard, le jeu est déjà lancé. Hein. Non, je repasse pas une autre soirée à package Christmas gift. Tu m'aides, non, tu m'avais dit que tu m'aiderais. Tu sais que j'aime pas faire les paquets. Que et tu... moi je... Mais toi t'aimes bien, tu mets du scotch partout. Non. C'est ta passion de Noël qui parle. Oui, je sais, mais bon, j'aime bien, mais faut pas. Que ta soeur de Noël, elle soit fière de toi, mais tu. Elle est déjà fière de moi, ma soeur de encore Noël. Encore plus alors. Ouais, mais c'est chiant quand c'est tous les ans, depuis quasi 10 ans, toute seule. Bah, t'aurais pu t'arrêter au bout de la deuxième année. Ouais. Bref, sur ce, je vous. T'as pas du gain, t'as pas su t'arrêter. T'as pas du gain. N'importe quoi. Bref, sur ce, je vous laisse. Oui, ça fait bizarre. Ça me gêne plus, c'est plus long. Ah, oh, j'adore. Aucun regret pour l'instant, en tout cas. J'adore. Je vous laisse, je vais faire le montage et après, bah, on va. On va profiter de notre soirée, chacun de son côté. Mais c'est pas mal. On va à Christmas Gift. Non. Bref. On va aller vendre ses quêtes sur Elidon Burus. D'accord. Je vous laisse. Je vous fais des bisous. Le vlog, j'ai pas beaucoup filmé. On n'a pas beaucoup été là. Et puis demain, bah, c'est dimanche. Donc journée pépère aussi. Et voilà, ça va être ça jusqu'à Noël. Mais c'est bientôt Noël. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite... Non mais ce regard de... On dirait un psychopathe là.
Je vous souhaite une bonne journée. Pourquoi tu fais ça là? Et parce que j'aime bien être avec toi. Puis Arnaud Foura, c'est déjà en vacances. On est un peu triste en fait. Du coup. Comment ça, il est déjà en vacances? Il n'y a plus des lignes. Je suppose qu'il est en vacances. Mais il a plus de sous, père Foura, ça. Non, mais je demande pas des grades gratuites. Et j'ai caché quoi? Un chocolat ou un petit mot d'amour. Oh non. En plus, faut faire des mots d'amour, c'est pas la peine. Hein. Yeah, t'en rigoles à ta connerie tellement que c'est débile, tu vois? Non. Non, oui, tu peux te cacher des trucs, mais. Non, c'est bon. Oh, non. C'est bon. On verra demain. Bref, je vous laisse. Bonne journée. Une éponge. Un rouleau de PQ, ça. Allez. Les moyens du bord. Oui. La bise. Bye. À demain.